Bonjour à tous, ici c'est Barcilou qui continue ce walkthrough dédié à Mafia. Donc nous sommes toujours dans le chapitre intitulé Fair Play. On a terminé la course, terminé en première position. La mission principale est terminée, mais on n'en a pas fini avec avec la course proprement dite, puisqu'on avait fait la connaissance de Lucas Bertone, qui tenait un garage à peu près près du pont de comment il s'appelle ce pont. J'y ai passé tellement souvent dessus, attendez. Giuliano, le pont Giuliano, voilà. Donc près du pont Giuliano, donc on s'est fait en quelque sorte un ami. Donc il a un petit service à nous demander. Donc on va voir ce qu'il en retourne. C'est parti. Donc prends la caisse et va chez Lucas Bertone. Donc on va prendre une caisse à notre disposition. Et une petite roulade pour s'échauffer. On ne sait jamais. Allez, c'est parti. On prend toujours la même. De toute façon, c'est la plus puissante des trois. Allez. De chargement, on est directement dans la rue. Ouais, interdiction de se garer là. Moi je veux sortir. Okay. Donc on est à gauche. Oh, il y en a une. Justin qui déboîte au moment où j'arrive. Passage obligé dans le tunnel souterrain. Forcément, au pont Giuliano. On va ralentir quand même un peu. Thank you.
le temps est dégagé, vous voyez le soleil, il manque plus que la mer. Ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre le tramway. J'ai le souvenir d'une mission où il fallait prendre le métro. Le métro, le tramway, ce que vous voulez. Alors que dans Mafia 2, on peut prendre aucun moyen de transport en commun. Que ce soit le train, le tramway, le bus. À part la voiture, il n'y a que... La voiture est être à pied, il n'y a aucun moyen de transport. Ah si, peut-être le taxi. Oui, j'ai oublié le taxi. Je suis à peu près sûr de ce que Lucas va me dire. C'est-à-dire forcer une voiture. Et la ramener dans son garage, en parfait état de marche, bien sûr. Hey, y a quelqu'un? Hey, Tommy, par ici. Bravo pour ta victoire, Tommy. T'es un as. Je pensais pas vraiment que t'y arriverais, mais quand je t'ai vu partir, j'ai su que c'était bon. Grâce à toi, je me suis fait un gros tas de fric, et comme je suis pas un ingrat, je vais te montrer quelques trucs. Tu vois cette beauté? Je peux pas te la filer, mais je peux te dire où en piquer une et comment. Mate comment c'est facile de forcer ce bijou. Et voilà, c'est du velours. Ok, je crois que je peux y arriver. Il y en a une qui appartient à un mec plein aux as à l'hôtel de ville. Dans la journée, elle est dans le parking du centre municipal sur Central Island. Je crois que je vais aller voir si elle est bien garée. Quand on aura marre de cette caisse, reviens me voir, j'ai toujours du nouveau. Merci Lucas. Je repasserai te voir un de ces quatre. À la revoyure. Fauche la Lassiter garée près du centre commercial. Ok. Oui, mais je vais pas y aller à pied, attends. Ouais, elle est là. La vache, je m'en souviens plus comment j'avais garé. Je l'avais pas garé aussi bien. C'est bien. Donc il faut que je repasse par le pont de Giuliano, à moins que je passe plus bas. Ouais, c'est ce que je vais faire. Vous avez vu le clipping? C'est bizarre ça. Je pensais qu'avec le patch que j'ai installé, la carte serait visible de la ville, serait visible entièrement. Il n'y aurait pas de clipping. Bizarre. Thank you.
Sarah. C'est une mission reposante, dirons-nous. Voilà, la cité est garée juste en face du building. On va se garer juste à côté. Fait semblant de rien. On se promène un peu. On voit ce qui se passe alentour. Il n'y a pas de policiers. Pas de policiers. Pas de policiers. Il y en a un là-bas, peut-être. Il y en a un là aussi. Pourquoi je perds mon temps à forcer une porte de voiture alors que je peux sauter à l'intérieur? Éloigner. Encore un. Faisons comme si de rien n'était. Faire tout le tour du parking. Bon. Oh. C'est pas possible. Ah, c'est pas l'église. L'église de Lost Heaven. Où va se dérouler le chapitre final. De mafia. Bon, t'es gentil, mais bon, j'ai autre chose à faire que de te regarder. Putain, c'est pas possible, celui-là. Eh oui, il va faire tout le tour du parking. J'espère qu'il va aller tout droit. Oh non, c'est pas possible. Bon, je vais attendre qu'il ait le dos tourné. Hein. Il va faire que ça.
On va tourner en rond. C'est la même voiture que j'ai stoppée pendant la mission dans le chapitre intitulé des primes de protection. Oui, c'est plus agréable à conduire, ce genre de voiture. Ouh là là, pour rentrer dans le garage avec une telle voiture, ça va pas être de la tarte. Je vais tout défoncer la barrière. Créneau avec le créneau. Les créneaux. Ça fait deux. Ok, bon, je vais garer ici. Voilà. Je sais pas s'il y a une autre mission à faire ou c'est ça, le fait d'avoir réussi à forcer la sitter, ça clôt le chapitre de fair play. On va voir. C'est comme ça que je me suis fait de nouveaux potes et que j'ai eu ma première bagnole de luxe. Finalement, c'était marrant d'être gangster. Finalement, je crois que le chapitre va se terminer. Donc, je vais vous laisser là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !